Voilà, en sous-bois. Bien à l'ombre. Ben, ça montait pour venir jusqu'à là. Après, il faut que je passe à la rebaisser. Hop, petit saut. Faire du bruit quand je touche. Voilà. Ah merde. J'aurais pu prendre par en haut. On serait allé voir la fontaine. Enfin, la source. C'est pas une fontaine, c'est une source. Mais bon. Juste là au fond, la source. Des gens qui bossent. Ouais. Là. J'ai même pas de cailloux à envoyer. Il y a du boulot là. Des archéologues, ils essayent de tout remettre à l'identique à l'époque gallo-romaine. Voilà, ça devrait être bon. Non, trop bas. Sur le coup, c'est pas bien grave. Si j'arrive à me repérer et taper du premier coup dans la bonne position. Ça remonte. On arrive à Saint-Blaise, oui, ici c'est le site de Saint-Blaise, site archéologique. Voilà, là je débouche sur l'étang de la Val-Duc. Soleil en face. Il y a de la brume à l'œil, alors sur la caméra déjà, avec le soleil, ça va faire encore plus. On verra bien. C'est la brume parce que le vent s'est arrêté hier, et bien, il sera là sans et encore cette nuit. Et depuis ce matin, il s'est calmé. Et ils ont eu raison, la météo encore. Là, je vais rejoindre le plateau de Fosse, qui est en face là-haut. Vivre ici, hein. C'est que des galets par terre. Ça sera l'occasion de voir ce que ça rend. J'ai l'impression que ça bouge moins que sur le casque déjà, hein, par rapport à d'habitude. Bah déjà que le casque, chaque fois que je tourne la tête, ça prend autre chose. Me semble, hein. On verra bien quand on fera des vrais randos montagne.